Chic et Artis s'est bien comporté pendant la phase de baisse et la crise, puisque nous avons eu une grande mobilité au sein de nos différentes classes d'actifs, notamment la poche obligation convertible qui a été fortement allégée en début de période. Et par ailleurs, nous avons eu une repondération très importante dans les valeurs de croissance sur notre poche action, qui a permis d'amortir le choc et également d'attraper le rebond. D'autre part, la couverture a fortement permis de compenser cette baisse et nous l'avons conservée. Nous devrions la conserver dans les jours prochains. Alors, au sein d'Échiquier Artis, nous avons fait beaucoup d'arbitrage au cours de cette période. Le premier arbitrage concerne la poche obligataire. La poche obligataire a été remaniée en diminuant la poche obligation convertible au profit des obligations subordonnées. Nous avons également diminué la part des obligations high yield au profit d'obligations de meilleure qualité, notamment investment grade. Sur la poche action, nous avons fait également plusieurs arbitrages qui concernent le style croissance qui a été également un petit peu diminué pour repondérer progressivement la partie value qui offre aujourd'hui des niveaux de valorisation qui nous apparaissent assez intéressants. Et notamment avec deux nouveaux exemples qui sont arrivés dans le portefeuille qui concernent Compass et Amadeus qui permettent de jouer un petit panier post-Covid et qui pourraient jouer le redémarrage de l'ensemble de l'économie européenne. Par ailleurs, nous avons gardé un poids sur l'exposition action constant autour de 25%, qui est certes un petit peu inférieur à notre moyenne des 12 derniers mois, mais qui reflète une prudence sur notre gestion actuelle. Alors, les perspectives sont toujours une approche assez prudente sur la gestion du portefeuille. Néanmoins, avec la reconstitution de cette poche obligataire qui offre aujourd'hui un rendement supérieur à 2%, nous sommes raisonnablement confiants sur les 12 prochains mois sur le portefeuille. Enfin, sur la poche action, pour toujours garder cet aspect de prudence dans notre gestion, nous avons maintenu une couverture qui restera en l'état tant que nous n'aurons pas un horizon beaucoup plus dégagé sur les perspectives économiques qui sont toujours un petit peu sombres aujourd'hui.